Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Rappelez-vous du tourniquet de votre enfance. Vous vous y asseyez, quelqu'un fait tourner, vous sentez votre corps partir vers l'extérieur et par votre maintien, vous stabilisez l'ensemble. Pourtant, vos mains lâchent. Entre le moment où vous tournez et la chute, il existe un instant où votre conscience s'arrête et contemple comme un ralenti, un moment coupé de l'action, un instant bref, le retour à la réalité, puis la chute. Eh bien, le monde est en train de vivre ce moment de latence et de ralenti. Le coronavirus, qui depuis décembre 2019 défie l'humanité dans sa fragilité physiologique, a atteint aujourd'hui plus de 118 pays, semant une pandémie mondiale, confirmée récemment par l'OMS, et avec sa propagation qui est trois fois plus rapide que la grippe, fait craindre un désastre sanitaire. Rappelons qu'à ce jour, ni vaccin ni connaissance parfaite du Covid-19 ne peut permettre une sortie rapide de pandémie, excepté par la mise en quarantaine des populations. 60 millions d'Italiens sont confinés et sporadiquement, nous voyons apparaître des poches de mise en quarantaine aux quatre coins de la planète. Scénario le plus fantasque de nos films de science-fiction, et pourtant, nous en sommes bien là. L'arrêt brutal de la mobilité des humains et de leur consommation habituelle a déclenché une secousse économique sans précédent. Nous pouvons d'ores et déjà dire qu'il y a un avant et un après coronavirus. Sachez que cet épisode pourra certainement même être lu dans les entrailles de la Terre par nos futures générations. Comme les climatologues ont pu comprendre que certaines périodes glaciaires étaient précédées d'une forte chute d'émissions carbone anthropiques, sous l'Homo sapiens sapiens par exemple. L'événement coronavirus permet sur un bref instant la baisse immédiate et brutale des émissions carbone mondiales. La Terre respire grâce à un de ses agents. Peut-on appeler cela de la régulation? Cet excellent point pour la planète est contrebalancé par son aspect sanitaire, mais comme le titrait un article, le monde est au chevet de ces entreprises où le taux de mortalité semble largement supérieur à celui du coronavirus. L'humanité est confrontée à son éthique et à sa morale, d'un côté l'économie et de l'autre côté la santé publique. Si vous m'écoutez depuis un certain temps, vous aurez déjà entendu passer cette phrase « Nous savons qu'un effondrement global est en cours, mais nous ne savons pas quel sera l'élément déclencheur de la crise du système dans lequel nous vivons depuis l'après-guerre. » Sera-t-il social, économique ou climatique? Eh bien le voici, car ne nous y trompons pas, le coronavirus n'est qu'un déclencheur de la future crise économique. Il est un révélateur de la fragilité du secteur financier qui n'a pas évolué d'un iota depuis 2008 et qui s'est même empiré jusqu'à aujourd'hui. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la finance? Ce mot qui semble à la fois tout définir et ne rien définir, qui nous effraie un peu par sa non-accessibilité et son côté très vaporeux, pour comprendre la finance, il faut revenir à son outil réel, celui que nous connaissons, les banques. La banque est composée de deux activités, la banque de dépôt, celle qui reçoit notre argent et qui le réinjecte en investissements locaux et qui permet ainsi à l'économie réelle et locale de vivre et d'être fluide. Puis vous avez la banque de spéculation qui, elle, ne mise que par l'achat d'actions sur les marchés financiers. Ces titres sont aujourd'hui gérés par de puissants ordinateurs qui imaginent le gain apporté par ces achats. Il s'agit de spéculation financière qui finalement ne redescend jamais dans l'économie réelle et crée progressivement des bulles spéculatives qui explosent et déclenchent ainsi une crise financière. Le meilleur exemple est la première crise financière racontée. L'objet de convoitise était la tulipe. Un groupe de botanistes passionnés a commencé à échanger des tulipes puis a acheté de nouveaux spécimens. En quelques mois, le bulbe de tulipe a vu son engouement défier la chronique, comme si aujourd'hui nous souhaiterions tous un pendentif avec une souche du Covid-19, une même hystérie s'est déclenchée.
le bulbe atteint progressivement le prix d'une voiture, d'une maison, jusqu'au jour où une personne émet un doute sur la valeur de ce bulbe et l'absurdité d'y consacrer autant d'argent. De cette annonce, tous ceux qui ont investi dans les tulipes retirent leurs billes, la bulle spéculative explose, semant chômage et misère noire. Du moins, pas pour tout le monde. Depuis 2008, rien de significatif n'a été fait pour maîtriser les jeux obscurs de la finance qui ont un impact direct sur les humains. Nous constatons même que les comportements risqués se sont développés démontrant une chose. Qu'elle perde ou qu'elle gagne dans ses investissements, la finance ne se soucie plus du bien commun, et c'est bien là le problème. La réponse à cette frénésie est que lorsque la finance mise, si elle gagne, les gains sont privatisés, et si elle perd, les pertes sont nationalisées par recapitalisation des banques aux frais du contribuable. Aujourd'hui, nos banques investissent dans ce qui leur apporte à court terme. La visibilité de la finance est toujours court-termiste puisqu'il s'agit essentiellement de gagner beaucoup d'argent en peu de temps. Le Crédit Agricole, la Société Générale et la BNP sont dans le palmarès des banques qui investissent dans les projets climaticides, provoquant des écocides, nous précipitant un peu plus vite vers la fin, comme par l'exploitation des énergies fossiles un peu partout dans le monde, en Amazonie par exemple avec le soutien de grosses entreprises pétrolières. Mais les banques, c'est également l'aide à l'exil fiscal. Comment pouvez-vous, en tant que simple citoyen, être pris pour cible pour 100 euros d'impayé et que des milliards qui circulent passent inaperçus? Nous y voyons bien le triptyque infernal banque, entreprise et État. Ce dernier a toute sa responsabilité dans la crise à venir puisqu'en 2008, Nicolas Sarkozy s'opposait à la finance pour finalement nationaliser les pertes financières, instaurant le début de l'austérité sur les finances publiques. La pandémie financière comme une spirale a attrapé les pays les plus fragiles, Grèce, Espagne, Italie, puis la France et l'Allemagne. Les citoyens ont bien compris le rôle de la finance dans leur quotidien, car la proclamation de « Mon ennemi, c'est la finance » de François Hollande, ils le hissent, certes par défaut, comme président. Aujourd'hui, nous en sommes au président Macron, et la libéralisation du système financier avec la complicité des grandes entreprises et de l'État n'a jamais été aussi grande. Un autre facteur à prendre en compte est le changement de gouvernance dans le monde. Le secteur financier s'inquiète de voir à travers le monde des dirigeants ubuesques, enfantins, narcissiques et dénués de sens commun prendre le pouvoir. Lorsque Trump arrive à la Maison Blanche, une page se tourne sur l'ancienne stratégie commerciale mondiale. Trump, qui milite pour un protectionnisme uniquement bénéficiaire aux États-Unis, perturbe les échanges commerciaux avec la Chine, imposant ses désirs du matin par un simple tweet. Bolsonaro, quant à lui, doit certainement séduire par ses désirs dévastateurs de forêt amazonienne pour le capital. Mais son personnage également exubérant inquiète les marchés, car vous l'aurez compris, la spéculation se joue sur une affaire de confiance. Plus j'ai confiance, plus j'attire de monde à avoir confiance, plus la mise est grosse. Bien évidemment, l'économie mondiale atone de ces dernières décennies fragilise l'ensemble. De nombreux économistes nous ont alertés sur l'inaction politique globale face à la finance, Pierre Larouturou, Piketty, Joseph Stiglitz, mais avouons-le, nous sommes si bien formatés au système que peu importe nos connaissances sur l'économie pour la réguler, tant que nous disposons du capital nécessaire et continuons de vivre notre train de vie. Breaking news, Trump suspend tous les voyages pendant 30 jours des États-Unis à l'Europe. Le pétrole s'effondre de 6% lundi 12 mars. Le risque important dans l'effet domino de ces annonces et restrictions est l'incapacité des États à subvenir à leur propre dépendance. La délocalisation progressive et rapide des pays pour fabriquer à moindre coût, en Chine par exemple, au cours des dernières décennies, est responsable d'une destruction massive d'emplois en Europe, mais surtout une perte de savoir-faire qui nous a dépossédés de toute autonomie. Les ruptures de livraison dans de nombreuses activités comme dans le milieu pharmaceutique démontrent cette fragilité. Cette masse de travail expatriée à l'étranger a vu l'avènement du secteur des services en France, puis aujourd'hui du numérique, qui est la nouvelle manne financière du capital, même si, comme toute autre activité, celle-ci sera vouée à disparaître. Tout au long de cette évolution du travail, nos niveaux de vie se sont vus certes améliorés,
mais notre environnement a été détruit, notre dépendance au travail nous a dénués de tout intérêt pour la vie en soi, et le récit collectif de posséder pour être heureux nous conduit aujourd'hui à la barbarie et au désastre écologique que nous connaissons. Bien sûr, pour arriver là, des outils ont été créés pour nous y faire parvenir, comme le crédit. Plutôt que d'augmenter les salaires, le crédit a été imaginé pour développer un pouvoir d'achat supplémentaire aux salariés sans toucher aux bénéfices des entreprises et sans augmentation de salaire. Cette dette contractée par le débiteur l'enchaînera jusqu'au remboursement, l'immobilisant un peu plus dans sa vie quotidienne de boulot, dodo, d'asservissement, la tête dans le guidon. À la dette privée des particuliers s'ajoute une dette d'intérêt financier. Vous ne saurez pas passer à côté du fait que l'Europe ne possède pas sa propre banque et doit emprunter sur les marchés financiers à taux irréguliers, imposés par les agences de notation et les risques que prennent les pays. Cette dette croissante ou décroissante suivant les moments est donc née de l'abandon de la création monétaire de la France et de l'émergence de l'euro. Les États-Unis, par exemple, fabriquent leur propre monnaie et ont souvent recours pour stimuler leur activité économique, comme actuellement avec le coronavirus. D'un pays à l'autre, les dettes peuvent atteindre des sommets en pourcentage de PIB. Nous constatons donc, de ces données, que la dette est relative et dépend essentiellement de la spéculation. Au cours des décennies, les acteurs financiers ont donc su imposer leurs outils et leurs règles, toujours dans un déni démocratique des biens communs, sous complicité d'entreprises et de gouvernements fervents défenseurs du libéralisme sauvage pour s'enrichir et créer les immenses fortunes que nous connaissons aujourd'hui. Pour résumer, en stoppant les échanges internationaux, et donc la croissance, le coronavirus inflige une perte financière à de nombreux acteurs économiques, présageant d'une récession assez brutale. Que faites-vous si vous avez peur de perdre votre argent caché où il est? Vous le changez de place. Eh bien, à cet instant même, la crise financière bat son plein. Comme pour 2008, il faut forcément s'attendre à une crise d'austérité publique, puisque nous sommes tous conscients que rien n'a changé dans les règles et que le citoyen est exposé à payer le prix lourd des risques financiers. La période peut apparaître très angoissante actuellement. Les différentes menaces qui pèsent sur la stabilité mondiale ont raison de nous faire craindre un effondrement. Et après ? L'Homo sapiens sapiens a plus de 200 000 ans et son système économique créé de toutes pièces seulement quelques siècles. N'avons-nous donc pas la capacité de nous transformer, de modifier les règles, de redéfinir le bonheur, la consommation, les liens, l'équilibre? Car c'est bien cela qui est en jeu, notre niveau de vie. La crise qui arrive devrait nous alerter sur les moyens dont nous disposons pour nous y confronter. Englobés dans cette mondialisation financière, nous allons subir de plein fouet les impacts consécutif de cette crise. Alors sommes-nous prêts? Sommes-nous autonomes en alimentation, en énergie, en eau? Avons-nous une monnaie locale? Cultivons-nous nos terres de manière équilibrée, de manière à disposer d'un cadre de vie agréable et abondant? Sommes-nous organisés en gouvernance partagée? Possédons-nous l'artisanat nécessaire? Voilà les questions que nous devrions nous poser à l'aube de ces changements. Car la combinaison explosive et complexe d'une crise financière, climatique et sociale ne peut présager que d'une forte autonomie pour résister. La fin d'un monde est toujours l'avènement d'un nouveau monde. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était? Oh, 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 c'était un pur délire. J'ai trouvé ça quoi, Green? Oui. Green, comment? Oh, super green, aussi green que ça peut être. Green, la puissance des green, tu vois, mais tu vois le green absolu. Green, green.